présente-toi. Alors, salut à tous, moi c'est Salah. Vagabond Crew, Massive Monkeys, Ultimate Crew. Et je suis de Créteil, en Paris. Très bien. Voilà, ça à peu près une quinzaine, 17 ans que tu danses, à peu près, moi je dirais 95, 96. 20 ans. 95 ans. Oui, il faut qu'il y ait n'importe quoi. Attends. Là, à une époque, tu étais au Cirque du Soleil, après tu as arrêté. Est-ce que tu peux dire aux gens comment ça se passe quand tu travailles là-bas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que le travail est difficile? C'est beaucoup de spectacles par jour? C'est comment? Alors, travailler au Cirque du Soleil, on va dire que c'est une expérience de malade au niveau scénique. Parce que c'est pas une petite scène que tu vas rencontrer. C'est quelque chose de plus de 20 mètres de large, de long. C'est vraiment un truc de ouf. Après, c'est l'équipe que tu rencontres. C'est une grosse machine. Mais si tu es quelqu'un qui a déjà un blaze, c'est très difficile. Parce qu'en fait, quand tu rentres au Cirque du Soleil, tu redémarres à zéro. T'as plus de blaze. T'es l'image du Cirque du Soleil. Moi, je pensais que c'était le contraire. Je pensais qu'il te prenait par rapport à ce que tu faisais toi. Pour le... Tu peux être un personnage, y'a pas de problème. Mais même si t'es le personnage, quand tu sors, c'est pas ça là. C'est le gars qui était dedans, c'est un personnage, c'est la fabrication Cirque du Soleil. Ah ok, d'accord. C'est pour ça qu'on te maquille, tu vois, c'est... Après, au niveau de la reconnaissance, des fois tu sors, les gens ils te reconnaissent pas. Hein. Regarde, on reconnaissait Jean Soc de la Smala, B-Boy Jean Soc, parce que c'est un B-Boy qui a une jambe. Hoot, B-Boy Hoot. B-Boy Hoot, tu vois. Donc on le reconnaît direct. Ouais, bah oui. Et lui, quand il sortait, tout le monde était sur lui. Donc ça a mal pour un bien en fait. Toi, avec le Cirque du Soleil, t'as dansé avec qui? Avec toi, il y avait Mansour, il y avait Mansour, Crazy Monkey. Mansour, il avait deux contrats. Ouais. C'était mon backup et il avait un contrat de danseur. C'est-à-dire que si c'était pas mon backup, il avait déjà la routine d'un danseur dans le cadre du la team des danseurs. Je vois. Après, t'avais Hoot. En français, on avait deux acrobates français. Non, après c'est tout. Après, ouais, il y avait JC, mais après il est parti. Il est pas Crazy Monkey avec vous? Non, Crazy Monkey fait le showcas. Ok. C'est une autre. Lui, c'est local. D'accord, toi tu faisais à peu près deux shows par jour? On faisait. Ils avaient prévu de faire trois shows, physiquement c'était pas possible. Ils se sont rendu compte que le show il était trop physique. Ah ouais, ouais. Donc on s'est retrouvé à faire deux shows et parfois un show. En plus, toi tu faisais partie des acteurs principaux quoi. Moi j'étais la ligne conductrice. Ouais. J'étais le rôle principal. Donc y a le premier jet, je sors pas de scène. Pendant un long moment, pendant 4 chansons, je sors pas de scène. Et c'est super physique. Maintenant t'apprends, c'est un truc de ouf parce que c'est une grosse machine. Donc t'as une expérience de malade au niveau professionnalisme, au niveau scénique. Les arénas, c'est rien à voir avec les théâtres, ça n'a rien à voir avec les galas, ça n'a rien à voir avec les soirées clubs, ça n'a rien à voir mon frère. C'est énorme. C'est pas Bercy, hein. Un arena, c'est immense. C'est immense, tu es obligé d'avoir des ears pour entendre la musique. Parce que quand tu entends la musique de l'extérieur, tu as un écho. Donc c'est pas bon pour toi. Sinon, tu seras en dehors de la Corée. Ah ouais, okay, à ce point-là. Ouais, ouais, c'était. Ah, je vois, donc les salles sont immenses, tout ça. Toi, sur du long terme, en termes de danseur, ça use. Ça fatigue, c'est difficile. Personnellement, j'ai eu une expérience magnifique. T'es resté combien de temps? 4 ans, 5 ans? Non, j'ai fait 15 mois. J'ai fait toute la tournée américaine canadienne. Et après, j'ai décidé de partir parce que je sentais que ma danse personnelle, elle était en train de mourir. Ah ouais, je vois. Donc je me suis dit, est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est l'art? J'ai dit, ok, bah, je pars. Très bien. T'as gagné deux émissions Incroyable Talent. Ça s'est passé comment là-bas au Maghreb? Alors j'ai gagné en 2006 la première édition Incroyable Talent, la France a un Incroyable Talent 2006. Ouais. Premier. Et Arab Get Talent m'ont contacté pour la deuxième saison il y a quelques années. J'ai refusé. Ils m'ont recontacté et en fait j'ai vu des gens qui étaient en train de faire le même show que moi. Donc, ils me copiaient, ils faisaient le même show que moi. Donc à un moment donné j'ai dit ok, je vais y aller. Je vais montrer mes racines parce que je suis marocain algérien. C'est vrai, on sait ça. Donc c'est une opportunité pour moi d'aller refaire, mais après c'est un risque de malade. Ça veut dire, est-ce que tu as le culot de repartir à zéro
Parce que c'est pas genre invité et puis je passe la première étape. Non, 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 j'ai fait du début jusqu'à la fin. J'ai qualification, tout ça. Casting. Casting, j'ai fait, je suis passé. Mais je me suis dit, je suis obligé de montrer l'original. Et c'est ce que j'ai fait. Et alhamdoulilah, j'ai gagné. Et je suis en fait le avec, ouais, je suis le premier double gagnant mondial. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun gagnant qui a voulu retenter de faire dans un autre bled le Got Talent. Je vois, et quand tu as la chance de gagner la première édition et encore là une deuxième, est-ce qu'il n'y a pas un circuit qui se crée pour toutes ces personnes qui sont débarquées dans le cadre d'un... Parce que finalement, pour un festivalier, vous récupérez tous. Alors, au début... Avec Gilbert, non ? Ouais, la première édition, ils n'avaient pas cette optique de faire le business, de s'occuper de ceux qui perdent et de faire une tournée. Il n'y avait pas ça. Mais en fait, c'est Internet qui a tout explosé. Il y a des Asiatiques qui ont mis ma vidéo d'Incroyable Talent sur YouTube. Et c'est là où tout le monde m'a contacté. Tout le monde a dit, c'est qui ce mec-là? Je veux ce show-là. Et après Incroyable Talent, j'ai continué de faire les dernières dates de Montalvo. Ouais. Donc j'étais pendant 2 mois disparu. Et tout le monde disait, mais il est où le gars qui a gagné Incroyable Talent? Mmh. Et en fait, d'un côté, c'est bien parce que c'était un peu fou. Je sortais dans la rue, les gens me sautaient dessus. Déjà, t'es le premier arabe à gagner une grosse émission comme ça. Premier danseur. En 2006, c'était énorme, de ouf. 2006, c'était énorme. Laisse tomber. C'est ma meilleure année artistique depuis que je suis danseur. C'est ma meilleure année. J'ai tout gagné en 2006. Et en fait, après, toutes les autres éditions, ils ont vu le côté buzz. Donc maintenant, ils font même un truc où ils font un casting et ils font un truc spécial gag. Donc c'est un peu se foutre de la gueule des gens. Ah, bah, c'est-à-dire que tous ceux qui sont nazes, en fait, on va faire une spéciale série et on va faire rigoler les gens. Et ça fait de l'audimat. Je vois. C'est chiant à dire, mais voilà, c'est le business. Comment ramener du monde? Donc, maintenant, il y a c'est tout et n'importe quoi. Donc là, maintenant, il y a de plus en plus de licences, il y a de plus en plus de télé-réalité. Où tu vois, même avant, à l'époque, c'était Love Story. Ouais. Maintenant, t'as le truc de Angel, je sais pas quoi. Tous ceux qui sont passés dans Secret Story repartent sur les ouais. Angels. Ça fait du buzz. Mmh. Bah, dans la danse, quand tu fais une émission, maintenant, il y a beaucoup de cabarets, d'événementiels, galas, soirées privées. Ils voient une personne. En fait, ils font des recherches plus dans les agences, mais sur YouTube et Facebook. C'est comme ça qu'ils les contactent. Donc oui, quand tu fais une émission, que tu gagnes ou que tu perds, c'est que du bénéf. Parce que quand t'es... dans le côté audimat, on te voit à la télé, c'est un tremplin. Je vois, toi tu reviens loin là, t'as une blessure. Ouais, 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 c'est chaud. Parce que, en fait, après Arab Get Talent, il m'est arrivé une galère, c'est que je me suis fait une micro-fracture de la cheville gauche. Et elle a été très compliquée à... Ils voulaient opérer, je voulais pas opérer, parce que ça allait me coûter 1 an et demi d'arrêt. Donc j'ai dit, quelle est l'autre solution si c'est pas... opération. Et en fait j'ai fait strapping, plâtre, et en fait après j'ai compensé avec la droite, et c'est la droite, et j'ai fait une déchirure du ligament fibulaire. Une galère quoi. Et galère, donc les deux, tout le monde pensait que je travaille, les gens s'inventent une vie, ça là c'est un millionnaire, il a une maison là, il a une maison au States, il vient à Londres. Arrêtez de vous inventer des vies. J'étais chez moi blessé pendant 6 mois. À Créteil. J'ai pris mes coachs, j'ai payé mes coachs, j'ai très. Alors ça c'est un message pour tout le monde. Regardez-moi bien. Si vous êtes blessé, allez au kiné et faites vos séances. C'est incroyable comment faire plusieurs sessions. En fait, ça va changer. Déjà, tu vas apprendre à connaître tes appuis. Tu vas apprendre à mieux connaître ton corps. Et documentez-vous sur vos blessures. Pourquoi vous avez eu vos blessures? Parfois, c'est par rapport à l'alimentation. Parfois, c'est par rapport à la fatigue. Parfois, c'est parce qu'on veut faire tous les plans et qu'on ne prend pas de pause. Ça, c'est un message personnel. Vous le prenez pas. Je sais de quoi je parle. Voilà, j'étais en arrêt. Les docteurs, ils m'ont dit, la danse, c'est fini. Ah, c'est chaud. Et j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai tout recommencé. Physio, hôpital, IRM. J'ai vraiment fait en sorte de savoir tout ce qu'il y a. Maintenant, je me suis mis dans le physical training. Fitness, j'essaie d'apprendre un peu plus par rapport à mon corps, l'anatomie, documentez-vous, c'est important, et surtout sur la diète. La diète, c'est important, mais c'est un truc de ouf. C'est-à-dire qu'il y a, un facteur, c'est ça, c'est t'as les aliments, t'as les fruits et les légumes. C'est ça notre médoc.
Ne prenez pas des médocs, c'est ça les médocs. C'est les légumes et les fruits. Arrêtez de prendre du sucre, arrêtez de prendre du sel. Tout ça, c'est ce qui va foutre en l'air votre corps. Simamed aussi, il est beaucoup dans cette politique. Ouais, il est à fond dedans. Regarde le corps de Simamed, mon frère. Ouais. Depuis que je le connais, alhamdoulilah, il se porte bien. Et justement, je l'ai vu, on en parlait, des jus détox, surtout les jus verts, qui te clean les intestins et tout. T'as des jus qui te clean les reins, le foie, le côlon. Bah, t'es vraiment rentré là-dedans, quoi. Ouais, mais t'es obligé. Parce qu'à un moment donné, t'étais aussi rentré pas mal dans la muscu, on te voyait beaucoup. Ouais, parce qu'en fait, je voulais être coach pour danseurs. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à donner mes stages, je me suis dit, ah, oh, j'ai envie de donner un petit truc fitness. Mmh. Et j'ai vu que ça plaisait. Je vois les gens, ils sont motivés et tout. Donc j'ai dit, ok, je vais me mettre à fond dedans. Et tu sais, je vais pas te mentir. Voilà, je suis musulman, je suis pratiquant. C'est quelque chose qui me protège. Et je sais qu'un jour, bah, je vais arrêter la danse. Donc, à un moment donné, il faut que je retrouve une reconversion. Et je pense que ma meilleure reconversion, c'est le coaching, c'est de prendre soin des gens et de transformer les gens. Par exemple, s'il y a une personne qui a pris 10 kilos, mon rêve, c'est de lui dire, je suis avec toi, je vais t'aider à les perdre, mais est-ce que tu me fais confiance? En gros, ton rêve, serait de t'occuper de moi, quoi. Non, mais il n'y a pas de problème, si tu as besoin, il n'y a pas de problème. Moi, regarde, j'ai pris 10 kilos en étant blessé, je faisais 86 kilos. Je me suis pesé tout à l'heure, je fais 77 kilos. J'ai presque perdu 10 kilos. Et en fait, c'est ça. À un moment donné, tu fais de la muscu, à un moment donné, tu vas t'arrêter. Pas parce que c'était un phénomène de mode. Non, non, non. C'est parce qu'à un moment donné, tu sens, tu connais. Tu as vu que tu as gonflé. Là, à un moment donné, j'ai trop pris et je me suis rendu compte que dans la danse, je me suis rendu compte délicat pour danser. Non, j'étais trop lourd. Quand je faisais un pop, je chantais le pop, mais c'était comme Franquet, tu vois, il m'a expliqué, le pop, c'est du relâché. C'est pas du bourrage. Ouais, ça, c'est plus la génération 80. Non, 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 non. Le pop, c'est si t'es pas relâché, tu vas pas faire du pop. Tu vois, il y a même Nelson qui le dit, il y a Franquet, il y a Pete, il y a Walid. Tu vois, tous ces gens-là, experts du pop, ils te le disent. J'ai remarqué un truc, parce que je te suis quand même, ça là. J'ai remarqué que dernièrement, tu t'es un peu remis en question au niveau de tes dents. Pas que tu n'es pas remis en question, parce que tu resteras quand même une figure de l'animation. Non, non, t'as raison, continue. Parce que je t'ai vu faire des choses que tu ferais plus, c'est-à-dire aller au stage de Pete. Aller voir Franquet, tu vois. Je te suis, je regarde ce que tu fais quand même, tu vois. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre parce que vu le blast que t'as, il n'y a personne qui ferait ça. Personne, je te le dis. Voilà, on va remettre les choses au clair. Dans la vie, tu peux être là. Mmh. Ok. Tu peux être très riche. Du jour au lendemain, comme ça, les lumières, elles s'éteignent. T'as plus personne. T'as plus d'argent, t'as pas des pseudos, famille, amis, y a plus personne. Ah, ça y est, t'es face à toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te suicider ou tu vas te remettre en question? Tu vas t'asseoir, tu vas dire ok, qu'est-ce que je fais? J'ai pris la décision. Parenthèse, tout ce que je vous raconte, c'est pas ce qui m'est arrivé. Hein. Mmh. C'est juste un exemple. Un exemple, ok. Voilà, maintenant, ce qui m'est arrivé, je me suis blessé et je me suis rendu compte, je me dis, j'ai vu en fait la nouvelle génération. J'ai dit, c'est un truc de ouf, comment ils ont progressé. Et puis après, j'ai vu cette nouvelle génération qui apprend par cœur les musiques. Ouais, génération iPod, t'appelles ça. J'appelle ça les iPod danseurs, ouais. Et les Kyrie, ils appellent ça karaoké. Okay. Voilà. Donc moi, je dis iPod danseur parce que pour moi, tu ne seras pas un vrai danseur si tu connais par cœur le son et que tu es là et tu me prends tous les accents. Tu es en train de te mentir à toi-même, mon ami. Parce que tu n'es pas en train d'improviser. Et l'amour qu'on a en tant que danseur hip-hop, quand tu es en soliste, c'est de faire du freestyle. C'est justement la merde que tu vas faire, tu vas créer quelque chose sur le moment. Je sais que t'aimes bien créer les choses. Mais c'est ça. Tu te surprends toi-même, souvent. Qu'est-ce qui fait qu'un événement est magique? C'est le jour de l'événement, tu donnes une mémoire, tu vas donner quelque chose que tu as créé et tu vas te rappeler. Ah, j'étais au Cercle Underground, j'ai créé ce move, je vais l'appeler Move Cercle Underground. Parce que voilà, j'ai glissé, je me suis rattrapé. Mais c'est ça. C'est vraiment toi, ça. Mais ouais, mais c'est ça. Je te retrouve. Et donc, à un moment donné, tu t'es remis en question. Je me suis remis en question et j'ai dit, ok, j'ai envie de reprendre toutes les bases. L'élève de la vie, on va dire. Et j'ai dit, j'en ai rien à foutre d'avoir un blaze. Tu vois, dans la religion, il faut toujours faire ça. Step ou step back. T'es personne. La seule, celui-là qui est au-dessus de toi, c'est Dieu. Mmh. Et toujours, reste sage. Même si t'es très intelligent, même si t'es riche, ne le montre pas, ne le dis pas. Aide les gens. Sois un mec bon. Et ben moi, j'ai décidé de prendre les cours avec tous ceux qui vont m'inspirer.
Donc tous ceux en fait qui vont m'apporter dans la direction que j'ai envie. Et là, j'ai envie de comprendre le pop. Et parce que je me retrouve dans des battles et je gagne pas. Enfin, je passe pas. Je savais comprendre pourquoi. Ah, tu pop pas. Mais si, je pop. Non, tu pop pas comme nous. Je dis ok, d'accord. Donc je vais retravailler le pop pour comprendre le game. Maintenant, la chose est sûre, ce que je ne ferai pas, je ne serai pas un iPod danseur. Par contre, il s'est avéré qu'on se retrouve dans des boîtes à reprendre un son qu'on connaît. Parce que tu l'as entendu dans la boîte, tu connais le son. Là, tu n'es pas iPod danseur, tu connais le son. Tu n'es pas chez toi, tu l'as appris par cœur. Eh bien, c'est à toi, le danseur de haut niveau, de me montrer que cet accent que tu prends facilement, tu vas le prendre d'un truc high-tech 5.0, mon ami. Tu vois, c'est comme ça que ça marche. Regarde maintenant le Vogue. C'est un truc de ouf, comment c'est des Tetris et tout. Maintenant, dans les Tetris, il y a les effets 3D où ça move. Il y a la dynamique, elle a changé. Mais c'est magique, c'est ça qui fait qu'il y a de l'évolution. Maintenant, c'est vrai que dans les Tetris, il y a des codes. Mais vas-y, change tes codes. Inverse tes codes. Parce que si on te voit dans un battle. C'est novateur, quoi. Ouais, si on te voit dans un battle, tu fais ça, et puis tu refais ça, et puis tu refais la même. Tu vas saouler les gens. Tu vas saouler les gens, mon ami. Après, si toi, tu te sens bien, bah, tu t'en fous. Fais ce que tu as à faire. Et voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le fait que tu aies gagné le UK en partant avec une nouvelle philosophie par rapport au pop, c'est une vraie victoire pour toi? La victoire de UK, c'est la première fois que je pars dans un battle. J'étais sans pression. Je m'en foutais du résultat. Ma priorité, c'est est-ce que je peux continuer la danse? Est-ce que je peux danser? Les docteurs ont dit c'est fini la danse. Oh, ouais. Et moi, j'ai prouvé que les docteurs ont tort. C'est si tu prends soin de toi, tu manges bien, tu t'entraînes bien, tu fais bien la physio, tu vas voir un ostéo, tu fais de temps en temps de l'acupuncture. Tout ça, ça va t'aider à comprendre ton corps. Et voilà, après tu C'est un vrai message pour la nouvelle génération. C'est un vrai message. Tout peut t'arriver. T'es pas fini. Et là, bien. La meilleure des réponses, c'est voilà, ma victoire à UK. Je la dédicace à la maman de Mayumi qui est morte. Et je la dédicace à Salex qui devait venir et qui s'est blessé. Et c'est des gens qui ont cru en moi et qui m'ont dit sois ça là, reste toi-même et tu verras. Et c'est ce qui s'est passé. Bah, très bien, bah, je te remercie. Et surtout, surtout, prenez des cours. Parce que ce que j'ai fait à UK, c'est les cours de Walid, les conseils de Walid, les cours de Pete, les conseils de Pete, les cours de Franquet, les conseils de Franquet. Il y a Stokos qui m'a aidé, il y a Mike qui m'a aidé, il y a... C'est qui? Voilà, c'est en ce moment, c'est les gens que je côtoie. Après, je dis pas que Nelson, Christo, Ness, Prince, toutes ces références, elles vont pas m'apporter, je dis pas ça. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller prendre leurs cours, tu vois. Mais je ne suis pas... T'es pas réfractaire à le faire. Je suis pas la personne à dire ah non c'est mon ennemi, j'ai pas d'ennemi. Je suis un mec bon. Arrêtez s'il vous plaît de vous faire des films sur moi parce que j'entends des trucs à l'extérieur. Apprenez à connaître les gens, apprenez à me connaître et vous verrez que je suis une personne bonne. Voilà. C'est important ça. Voilà. Il y a l'image que j'ai pu donner dans les battles à l'époque, parce que c'était l'époque. Après, il y a des gens qui disent. Nous, on sait, mais eux, ça pas. Nous, là, il y en a, ils disent reviens dans le truc d'avant. Mais non, revenir à l'iPod d'avant. Là, ça y est, c'est maintenant. Maintenant, tu peux avoir une maturité et ramener quelque chose de toi avec ton identité. C'est tout. Il y a des gens qui me disent on est content que tu reviennes. Tu nous fais sourire. Ta personnalité et ton personnage, il nous fait sourire. Ça nous fait du bien. Ça change de ce qu'on voit. Technique robotique. Non, je vois, moi, je j'ai vois. Dit bah ouais, mais moi, c'est moi. Je peux pas me changer. Je fais pas le clown. Je suis comme ça naturel. Si j'ai envie de faire plaisir, si j'ai envie de faire sourire, c'est comme ça. Si j'ai envie de faire un robot et être vraiment compact et vénère, je le ferai. C'est ce que j'ai envie de vous donner. Vous l'acceptez, c'est cool. Vous l'acceptez pas, bah tant pis. Mais c'est ça d'aujourd'hui. Prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. Parce que la danse, c'est cool. Mais là, il y a beaucoup, beaucoup de danseurs. Et arrêtez de casser les prix. Arrêtez vos conneries là. Okay. Voilà. Merci Yuval. Attends, viens. Tu filmes là? Ouais. Bon, je tiens à dire que le gars qui est là, attends, on va mettre la caméra comme ça. Avant, ce mec-là, c'était mon ennemi. C'est vrai. Au Battle of the Year, j'ai failli m'embrouiller avec lui. Je voulais lui mettre une grosse tarte. J'avoue, c'est vrai. Truc de ouf. Parfois, on peut être maladroit, mais je tiens à vous dire que c'est un mec qui bosse bien. Des fois, t'es relou au micro. Ouais. Des fois, t'es relou. Quand tu vois un danseur, tu fais ah, elle est belle celle-là. Je dis mais pourquoi il parle?
Mais c'est Yuval. Ça reste Yuval. T'es un mec bien, mec. T'es un mec bien. Et là où je te respecte. Là où je te respecte, c'est que tu vas chercher des gens qu'on connaît pas et tu connais leur blase, tu connais leur histoire et tu nous la racontes. On essaye, c'est là. Chacun raconte son histoire, toi tu racontes ton histoire sur la piste et moi aujourd'hui au micro, chacun aujourd'hui sur la... Bon les amis, on va s'occuper de lui aussi parce que je vois qu'il a pris un peu trop de couscous. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, cette vidéo. Mais on garde cette vidéo, ok? Et dès que tu veux, on fait un mois d'entraînement et je vous promets en un mois, il y a déjà 5 kilos qui sautent. Ok, d'accord. Ça marche? Ça marche. Ça y est mon pote. Merci. C'est cool.